Yo tout le monde, c'est Mel91 et aujourd'hui on se retrouve avec Mélo la Rose, bonjour. Et aujourd'hui on se retrouve avec un colis de My Candy Shop qui est un site de produits américains et nous allons déguster quelques petits bonbons américains comme Candy San qui sont des produits japonais, ça n'a rien à voir. Bah oui, bah, c'est des bonbons. Donc, alors, et ben le colis est assez petit. Je m'attendais à un colis beaucoup plus gros. Donc, eh ben, on va l'ouvrir avec vous. Voilà. Alors, j'ai pris un petit couteau. Hein. Et voilà. Et on découvre avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est trop beau. Ça a l'air trop beau. Alors. Qu'est-ce que nous avons dedans? Mon Dieu! Voilà! Voilà tout ce qu'il y a. Mais on va leur présenter. Dites-nous en commentaire si ça fait beau. Moi, je trouve que ça fait beau. Et déjà, nous pouvons voir, je pense. Ah non. Je croyais que c'était un cadeau, mais en fait, non. Ah oui, alors ça, c'était un gros œuf, mais ça, je pense qu'on va pas le découvrir aujourd'hui. Tiens, tu leur montres. Et à l'intérieur, il y a des petits bonbons. Je sais pas. Mais ça, je pense qu'on fera une autre vidéo pour le présenter. Voilà, ça fait ça. D'abord, avant de déguster, on va vous montrer tous les produits qu'on a. Ça s'appelle Giant Grumble. Gumble. Oui, ça veut dire grosse boule. Ensuite, oh là là, ça sent très très bon. Nous avons Laffy Taffy. Je pense que c'est au raisin. Ah non, à la framboise. Voilà. Tu peux sentir? Ça a l'air de... Ah ouais. Et on en a trois. Sentez-moi ça. On en a un à la cerise. Tu mets ça là. Sur le côté. Et un mystère. Mystère, n'importe quoi. Mystère, fruit, mystère. Donc on ne sait pas. Voilà. Ensuite. Et ça, c'est le goût mystère. Ah, ensuite nous avons Hello Panda. Ça a l'air d'être des petits biscuits avec de la gelée, la crème dedans. Regardez. Je peux dire quelque chose. Et en fait, je crois que ça, il y avait une même sorte sur Candy San. Bah, regarde. Montre-leur. Ça a l'air d'être... Mais je crois que je me trompe. Ou alors c'est dans un autre site. Regardez. Là. Voilà. Ensuite, aïe, nous avons ça. C'est au raisin aussi. Donc, vas-y, mon collègue, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça... Ça a l'air d'être du chewing-gum, peut-être. Je ne sais pas. Non. Attends, je te dirai à la fin de la vidéo. Voilà. Oh, nous avons Red Hot. Ça a l'air d'être piquant, je crois. Des petits bonbons comme ça. Ça a l'air piquant, parce qu'il y a du feu. Ensuite, nous avons ça. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Donc, on goûtera. Hein. On verra ce que c'est. C'est dur, en tout cas. Ah, il y a un deuxième paquet. Il y a 6 petites pièces dedans. Ah, ça, c'est le même que tout à l'heure. Sauf que celui-ci est à l'orange. Mmh. Voilà. Ensuite, oh, nous avons ça, des petits bonbons, une toute petite pièce. Voilà. Ah, ça c'est du sucre pétillant, comme notre enfance. Oh, qui pète dans la bouche. Ça c'est un de mes trucs préférés. Voilà, ça, deux paquets. Je sens que je vais pas trop aimer parce que j'ai pas trop de pétillant. Un pop rock, je sais pas ce que c'est.
et un chéri cola. Ça sent déjà à travers la boîte. Pas trop. Ah, ça sent la cerise. Ah non, ça c'est pour... ça c'est pour mettre dans l'eau. C'est des sachets. C'est des sachets pour mettre dans l'eau pour... Voilà, ça se présente comme ça. Et là, kiwi fraise. Pour égayer votre eau. Voilà. Donc on vous fera voir aussi dans une autre vidéo à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, nous avons ça. Ça a l'air d'être... voilà. Et... Ça a l'air d'être aux fruits. Oui. Et voilà. Et ça, c'est des snacks au pepperoni pizza. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la commande condition, il y avait des espèces de bâtons à la pizza et j'avais aimé, donc ça, je pense que je vais aimer. C'est bon, 17 produits. Alors, nous allons passer à quelques petites dégustations. Alors, qu'est-ce que tu voudrais goûter en premier? Je sais pas. Ça, Mathieu. Ça? Ça. Alors, on va goûter. Hop. Alors, on va voir comment ça se présente. Oh, c'est des gros. On dira des bonbons, les bonbons Harry Potter. Je vais les montrer comme ça. Ça se présente comme ceci. C'est rose. Mais il y en a toutes les couleurs. Bah oui. Alors, et moi je vais goûter un bleu. C'est bon, c'est tropical. Oui, c'est très bon. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Comment tu trouves ça? Bon. Bah oui, c'est bon, c'est très bon. Ça a le bon goût de... Tiens, viens, on le remet dedans. Ça, oui, c'est un bonbon tropical. Ça sent très très bon. Moi, je crois que c'est à la framboise le mien. Mmh. Et toi? Fraise, framboise, orange. Tiens, on va goûter ça. Les petits pandas. Ah, moi, je vais goûter ça. À quoi ça ressemble? C'est un petit gâteau, en fait. Oh, regarde-le. Oh, il y a un petit dessin dessus. Il y a un petit panda dessiné dessus. Ah, et moi, il est différent. Ça sent bon. Ah, voilà quoi. Alors, on va goûter. C'est de la crème de fraise à l'intérieur. C'est de la crème de fraise, c'est pas vraiment du coulis. Ça sent bien la fraise, en tout cas. Oui. T'aimes ça? Oui. C'est très bon. On valide. On valide. Comme le trouve. On valide, c'est très bon. J'aime bien. Petit gâteau à la fraise. Après, tu veux goûter à quoi? Ces petits bonbons-là.
Voilà. Pourquoi je fais comme ça? Eva? Oula, petite pièce. Oula, c'est tout petit. Ça sent quoi? Le carton. Ça sent rien. Non, ça sent rien. Chapi. Un peu acide. C'est un peu acide, mais c'est Nestlé qui fait ça, par contre. Ça vient de Nestlé. Ça sent bon la framboise. Le goût est bien prononcé. C'est acide. Mais c'est acide quand même. Je pense qu'on les a croqués, mais peut-être que en les suçant simplement. Mais c'est bon. Moi, je valide en tout cas. Moi aussi, mais ça pèse. C'est bon, ça change. Alors, on va goûter. Ah, si vous goûtez ça. Goût mystère. Goût mystère. On va voir. Goût mystère. Non, il n'y a pas besoin. Enfin. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah. Pourquoi y a-tu mélangé? Tu le remontes avec ça, ça. Oui, ça je me demande. C'est peut-être un bonbon, hein? Un bonbon mou. On va vous dire à quoi c'est quoi on pense que c'est. Ça... 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi tu penses? Moi je dirais au raisin ou. Il a l'air d'avoir plusieurs goûts à l'intérieur. Non? Non. À quoi tu penses? Je sais pas. C'est pas un chewing-gum, c'est un bonbon en tout cas. C'est un bonbon mou. Il y a plusieurs goûts prononcés à l'intérieur. Voilà, ça on va pas le manger. Mais il existe plusieurs parfums de... J'ai choisi cerise et raisin, mais il existe beaucoup de parfums. Alors le goût mystère, eh ben... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. T'arrives pas à reconnaître le goût? Même moi. Je dirais qu'il y a un peu de raisin à l'intérieur ou de la fraise. Mais après, reconnaître le goût... Eh ben, si vous achetez le même, ce que je vous conseille, eh ben, vous nous direz par commentaire. Peut-être vous trouverez aussi. Mais je crois que pour le goût, on ne peut pas vous aider plus que ça. Il nous reste déjà 7 produits. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on va goûter? Non, après. À la fin. Ça, on pense que c'est des chewing-gums, non? No letters. And letters. Letters, ça ne veut pas dire eau? Non, water. Non. Blue aspect. Je ne sais pas, peut-être c'est des chewing-gums. Attends. Mais je crois qu'on l'aura monté au début. Je peux ouvrir? Oui, vas-y.
Ah oui, c'est des chewing-gum. Je dois s'en prendre un. Ah, c'est des chewing-gum bleus. Bleu. Oui, c'est des chewing-gum bleus. Aïe. Ah oui, ils sont vraiment bleus, mais à quel goût, c'est pas marqué. Voilà. Non, ça n'a pas l'air des chewing-gums, hein, pas forcément. 1, 2, 3. Ou c'est dur. Aïe, mes dents. Aïe. Bah, à part bleu, mais il n'y a pas écrit à quoi c'est, maman. Raspberry, ah, peut-être à la framboise. Non, ça sent pas la framboise. Ben, je peux pas vous aider plus que ça. En tout cas, c'est bon. C'est dur. Mais il faut le mâcher beaucoup. Est-ce que tu as la langue bleue après? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois? Ah oui, ça fait la langue bleue. Ah oui. T'es pas obligé de montrer ta langue. Non, non, c'est bon. Mais quoi? Voilà. En tout cas, bah c'est bon. On a bien aimé. Aïe. Mais c'est pas un chewing-gum, c'est vraiment un bonbon mou. Enfin, un bonbon dur, mais à force de bien le sucer, voilà, ça fond très vite. Mais arrête, Melvin. Pour me dire papy. Alors, qu'est-ce que tu voudrais goûter? Je crois que tu vas goûter tout seul. Ah, pourquoi? Bah parce que moi, je finis mon bonbon. Alors, ça, c'est au raisin. Airheads. Voilà. Oh, ça se présente comme ça. Oui, c'est bien ce que je pense. T'as déjà goûté? Oui. Je pense que c'était à la pomme. Ah, d'accord. Non, c'était à la pastèque. Vas-y, vas-y. Alors? Ah. En tout cas, ça sent très bon. Alors, c'est pas bon? C'est acide? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas bon? T'aimes pas? J'aime pas. Ah. Ça fait quoi? Bon, je vais goûter un petit bout. Bah, c'est... Ça n'a pas le goût de raisin. Ah oui, c'est... Je vais être pas. Ah, celui-là, il est chimique. Tum. Ah oui, c'est particulier quand même. C'est bien acide. Ça sent pas beaucoup le raisin. Donc, bah celui-là, faites votre propre opinion parce que nous, on n'est pas fans. Hein. Voilà. Là, non? Non, l'autre. Oh. On va goûter celui-là. C'est chocolat. Chocolat? Et l'autre, c'est quoi? C'est coca... Coca chérie, tu préfères celui-là? Oui. Bon, on va goûter coca chérie. Parce que... Sucre bien pétillant. Parce que chocolat, voilà quoi. Non, c'est bien. Déjà, le sucre. Oh, mes yeux. Je sais pas si vous aurez vu dans la vidéo. Ça pétille trop. Toi, t'aimes pas trop ça, toi, le sucre pétillant. Bon, fiche. Je goûte. Ah!
Oh, ça pète. Oh, ça pétille, hein. Oh, ça pétille dans la bouche. Oh, si. Voilà. Bah, si vous aimez bien le sucre pétillant, achetez. Achetez-le sans aucun problème. Quant au goût, vu que ça pète, c'est pas vraiment prononcé. Vas-y, mais lui il n'aime pas trop alors. Ah, ma boue, ça fait mal. Mais non, ça fait pas mal, ça pète. Malade. Mais lui, il n'est pas fan, je le sais bien. Si, c'est bon. Ah bon? Au cafomard. Moi, j'adore. Ça me rappelle toute mon enfance. Aïe. Avec les sucettes. Les glaces aussi qui font à McDo. On dit pas de... Allez, c'est bon alors? Mais t'en as pas mis beaucoup parce que j'entends pas beaucoup que ça pète. Ah oui. Alors, que nous reste-t-il? Ça? Non, ça, on va pas le... Parce que c'est un produit ici. Parce que tu es batterie, donc on va zéper un peu. Ça, alors, ça. Red Opt. Je me demande ce que c'est. Ça se trouve, ça va piquer. Il a l'air d'avoir du feu. Ça sent rien. Non. Ça se présente comme ça, tu représentes? Ça sent rien. Ça sent le carton. Les petits... Mais montre-leur comment c'est. Bah, ah. Juste un. C'est des petits bonbons comme ça. Particulier. Mais oui, 91 là. Pardon. Ah, il n'aime pas. Alors c'est assez piquant quand même. Mais c'est particulier, hein. Je sais pas comment dire, mais ah, ça pique. Oulala! Ciao! Mais après, au c'est goût. C'est le dernier! Attends, au goût. Je sais pas vraiment à quoi c'est. Mais ça pique vraiment. Hein. Donc, ceux qui aiment bien le piquant, vous devriez adorer. Dans un bonbon en plus, c'est la première fois que je goûte. Piquant et bonbon en même temps. Mais c'est à tester, hein. C'est original. Alors, dernier produit qu'on va vous faire goûter. Bon, là, c'est des snacks. Qu'on va vous faire goûter. Qu'on va goûter, nous. Mais donc, vous allez goûter en virtuel. Ok, faisiez comme nous. Allez, c'est au pepperoni pizza. Manger des pizzas. Salut Wanda, à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà. Et là, est-ce que tu vas réussir à l'ouvrir? Oui. Est-ce que ça sent bon? Ça sent la pizza. Ah, toi, t'es plus salé, hein. Sens-moi ça. Ah là 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 là. Sentez-moi ça. Ça sent bon la pizza, hein. Sentez-moi ça. Alors, miam miam. Alors, 2, 3. C'est vraiment bon. Pepperoni pizza, ah. C'est vraiment très très bon. À acheter obligatoirement. Bah, ceux qui aiment bien le goût pizza, et, c'est des crackers, pepperoni. Après,
Donc ça, c'est vraiment très très bon. Voilà. Et puis ça, ben, on vous fera une autre vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Surtout, alors le site c'est My Candy Shop, produit américain. Et surtout, vous pouvez retrouver les bonbons Harry Potter. La prochaine fois, on vous fera une autre vidéo pour les bonbons Harry Potter. Et là, le petit colis donc de... Combien on avait dit de produits? 17. 17 produits, j'ai payé 20 € à peu près, les frais de port compris. Donc voilà, c'est raisonnable, chaque produit c'est assez raisonnable. Voilà, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, on fera d'autres vidéos. Et puis, hein? Et puis, bah, on vous dit à bientôt. Non, je peux... Allez, on vous embrasse tous, à bientôt, et puis... Restez comme vous êtes super, dédicace à nos titres, allez, ciao tout le monde.